attention de ne pas pousser trop loin le ballon. Amandine Henry. Avec un ballon donné pour Louisa Messib. Leur boulot dans la surface avec un ballon redonné. Le centre en retrait et l'ouverture du score pour l'équipe de France. Avec cet échange à 3 secondes en triomphe, la France est libérée et le stade de Montréal chavire. Il fallait marquer vite. Elles l'ont fait comme contre le Mexique. La France qui mène 1-0. Ça passe à chaque coup, elle rentre. Camille qui lui remet très bien et surtout le centre en retrait pour Marie-Laure qui est restée au point de pénalty. Ça c'est le jeu des Françaises et quand elles le font, Eugénie qui se lève pour pas toucher la balle. Tinet qui est sur le banc mais il y a aussi la relève. Amel Majri et Claire Lavogé en font partie. Là, on revoit le but, c'est vraiment bien joué de la part de Laure de ne pas centrer devant... devant la cage. Jessica Ouaradomo qui continue son accélération avec Elodie Thomis. Thomis vers la surface, une sollicitation d'échange. Thomis avec le deuxième but. Oh, l'enchaînement est superbe de l'intérieur du pied gauche. La France qui mène 2-0 et tout va bien. Et en plus, elle voit qu'elle ne peut pas avec son pied droit et elle l'enroule du pied gauche. La gardienne qui est... Ça va trop vite, elle ne peut pas réagir vite. Heureusement pour nous, c'est pas cadré et Sarah avait vu le départ du ballon. Là, on revoit le but d'Elodie, c'est bien joué dans les petits espaces, elle rentre avec sa vitesse. Eugénie Le Sommer dans la surface, elle est passée avec la puissance, le centre en retrait et le troisième, il est là. Oh, quel régal, Eugénie Le Sommer en festival et délié à la conclusion. 3-0 pour l'équipe de France. Encore un décalage sur le côté au départ. On arrive vraiment à conserver le ballon et à trouver après les côtés. Et là, ça passe encore. Là, elles sont trop loin. Et quand elle a pris balle au pied, elle passe. C'est super bien joué encore. Marie-Laure qui attend. Comme le premier but, elle attend en retrait. France peut voir plus loin, plus haut. C'est ce qu'on voulait, Corinne. Oui, un tour de plus. Ça y est, on continue.